C'est un objet d'une extraordinaire complexité. Le cerveau. Le cœur de notre conscience et de nos comportements. Et encore largement inconnu. Comprendre tous ces mystères révolutionnera la science. De la biologie à la robotique, en passant par la médecine. Mais pour cela, nous avons besoin d'outils et de technologies nouvelles. De nombreuses découvertes sont rendues possibles grâce à des instruments toujours plus performants. Capteurs, lasers, microscopes, télescopes, accélérateurs de particules. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, ces innovations repoussent les frontières de nos connaissances et apportent des masses de données nouvelles. Capable d'intégrer rapidement un volume considérable de données, l'IA générative est un véritable accélérateur de découvertes. Avec elle, nous pouvons créer des modèles pour comprendre les cellules, concevoir des médicaments, prédire le climat. Et aussi, imaginer. Imaginez les matériaux qui façonneront le monde de demain. Quelle sera leur nature, leur spécificité? Recyclables, intelligents, résistants, économes en énergie, ils contribueront à rendre notre civilisation plus durable et résiliente et à accompagner notre monde en transition. Transition énergétique, numérique, démographique, écologique. Les bouleversements se multiplient et s'accélèrent. Nos sociétés vivent-elles une simple phase d'évolution ou s'agit-il de transformations plus radicales? Et comment s'y préparer? Une question demeure. Sommes-nous seuls dans l'univers? Grâce au télescope, nous pouvons explorer les exoplanètes à la recherche de traces de vie. Et en couplant différentes sciences, nous savons de mieux en mieux où regarder et ce qu'il faut chercher. Car comprendre les origines de la vie, sur Terre comme ailleurs, pourrait bien nous aider à affronter les grands défis de ce siècle. Six défis, six priorités pour la recherche fondamentale dans les années à venir. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la mission que s'est donnée le CNRS.